Welcome to Liven and Marcelo's Criminology Podcast, a podcast hosted by Marcelo Aevi from the University of Lausanne, Switzerland, and Liven Pauwels from Ghent University, Belgium. We aim to draw a map of the state of criminology across Europe through the words of contemporary criminologists. How is criminology defined and taught? Which are the main lines of research? Which are the main schools of thought in each country? These and many other questions are answered here by fellow researchers who share their vision on the development of criminology in their countries from its beginnings to the second decade of the 21st century. If you want to know and compare their stories, stay tuned. Today we are interviewing Jacques Varsedakis. Yakovos Varsedakis, better known as Jacques or James Varsedakis, is professor of criminology at the European University of Cyprus. Formerly, he was full professor of criminology at Pantheon University of Athens, Greece, where he directed the postgraduate studies in criminology for many years. This interview was conducted in French on the 31st May 2021. Jacques Varsedakis, le criminologue de référence quand j'ai fait mes études en Suisse pour la Grèce. Voilà, on est très contents, Liven et moi, de t'avoir ici dans notre podcast. Bon, ça fait un temps qu'on ne se voit personnellement, mais j'ai des très bons souvenirs de nos discussions en Grèce, en Italie une fois aussi. Et donc, voilà, on aimerait connaître un peu ta vision de la criminologie en Grèce. Disons, le but de ce podcast est de retracer un peu l'histoire et le présent et éventuellement prédire un peu ou essayer d'imaginer le futur de la criminologie dans différents pays européens. Et alors, voilà, pour commencer, on essaye toujours de partir de la définition même de criminologie qui parfois varie d'un pays à l'autre. D'abord, je voudrais quand même vous remercier pour l'invitation, pour l'honneur que vous faites de me demander mon avis. Et maintenant, en ce qui concerne la criminologie, nous allons un peu parler, bien sûr, par la suite, les idées criminologiques, pas la criminologie de conscience, a une très longue histoire en Grèce, nous en allons parler. Et ce que je peux dire en ce qui me concerne, vraiment je conçois la criminologie, et je la conçois comme la science, je ne suis pas le seul bien sûr, comme la science qui étudie le phénomène criminel. Mais qu'est-ce que je comprends par phénomène criminel? C'est-à-dire le phénomène qu'on aperçoit dans toute société organisée, humaine organisée, c'est-à-dire l'existence de lois interdisant la commission de quelques actes comme étant, disons, mauvais pour la société, pour son développement, pour la paix, etc., pour le progrès. Deuxième point, qu'il y a des gens qui, malgré qui transgressent ces lois. Et, troisième point, pour cette raison, ils sont punis. Ça veut dire que le phénomène criminel a trois points d'encre: la loi pénale, l'infraction et l'infracteur, l'auteur de délit, et la peine. Ça existe depuis toujours dans toute société. Il n'y a pas une seule société organisée où le phénomène n'existe comme tel. Bien sûr, les lois pénales diffèrent. Évidemment, aussi les crimes et les peines. Autrefois, il y avait d'autres peines, aujourd'hui, il y a d'autres. Mais le phénomène comme tel existe. Et ça va exister, malheureusement. Parce que pour que ça n'existe pas, il faudrait que tous les citoyens d'un pays soient exactement les mêmes du point de vue personnalité et caractère, et qu'ils soient
éduqués et socialisés de la même façon. Ça ne pourra jamais exister. Donc malheureusement, on aura toujours ce phénomène devant nous, qui est un phénomène qui est assez positif. Nous pouvons l'analyser scientifiquement. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour décider que c'est ça notre objet d'étude, l'objet d'étude de notre science de la criminologie. C'est comme ça à peu près qu'on le voit. Il y a toujours encore la criminologie du passage à l'acte, la criminologie de la réaction sociale, la criminologie féministe, la criminologie je ne sais pas quoi. Enfin, tout ça sont des approches qui ne sont pas mauvaises d'ailleurs. Chacune a quelque chose à apporter. Mais si on veut vraiment aller au cœur du sujet, c'est ce que je dis. Très bien. Et on s'est demandé aussi comment la criminologie s'est institutionnalisée en Grèce, comment elle est enseignée dans les universités, au sein de quelle branche, quel type de diplôme. D'abord, l'enseignement de la criminologie est comme science indépendante du droit pénal, parce que tout ce qu'on raconte maintenant autour du crime, etc., des peines, bien sûr, était toujours examiné au cadre du droit, mais qui est quand même une science normative. Tandis que la criminologie est une science du terrain. Mais la criminologie séparée, comme science, avoir une chaire de criminologie, c'est-à-dire dans les universités, était venue en Grèce, et c'est intéressant, parce que la Grèce a été le second pays après la Belgique, qui avait, juste après la Première Guerre mondiale, des chaires de criminologie. Et la Grèce était le second pays. Ces deux pays qui ont été indépendants en même temps, 1830, etc., étaient les premiers et les seuls avant la Seconde Guerre mondiale avaient une chaire indépendante de criminologie. Chez nous, ça s'était venu en 1930 pour l'Université d'Athènes et 1932 pour Pantheon, avec le même professeur, le fameux professeur, fameux pour la Grèce, le fameux professeur Constantin Gardikas, qui a d'ailleurs fait ses études en Suisse, où il a soutenu sa thèse à Genève en 1918, l'homicide chez les anciens Hellènes, et notamment les Attiques. En disant Attiques, ce sont les habitants de l'Attique et de la région qui comprend bien sûr Athènes. En 1929, on lui avait présenté Gardikas, qui était à l'époque privat docent à l'Université de Genève, mais qui n'enseignait pas la criminologie, mais l'histoire du droit pénal. En rentrant, pourquoi on lui avait présenté? Parce que Gardikas était un des quatre sages, comme ils avaient appelé à l'époque, auquel la Société des Nations a donné comme mission de préparer le texte de la loi organisant l'Interpol. Ça ne s'appelait pas l'Interpol à l'époque, mais c'était ça, police internationale, etc. Donc, il avait une certaine réputation en Belgique, en Suisse. Et dès sa rentrée, Gardikas a créé par la loi une chaire de criminologie pour Gardikas. Il l'appelait en Grèce. Et Gardikas a commencé en 1930 à enseigner la criminologie. Donc, dans son ensemble, criminologie, criminalistique, sciences pénitentiaires, tout, à la faculté de droit d'Athènes. Deux années plus tard, il avait commencé à enseigner le même à l'université de Pantheon. À l'époque, ce n'était pas une université, c'était une école des hautes études de sciences politiques créée à l'instar de l'Institut politique de Paris. Là, il a enseigné également et ça a commencé. Depuis, on a des chaires de criminologie un peu partout, surtout dans les facultés de droit. Nous avons trois facultés de droit en Grèce, Athènes, Salonique et Komotini, bien sûr à l'Université Pantheon. Mais il y a aussi des enseignements de criminologie, évidemment dans toutes les écoles d'officiers de police, etc., de renouvellement des études et des choses comme ça. Également, il y a dans des écoles de sociologie, de psychologie, et même en théologie, nous avons une chaire de criminologie. Mais ce que nous n'avons pas, c'est un département ou mieux encore une école de criminologie séparée.
elle est toujours à l'intérieur d'autres facultés. Par exemple, la Panthéon où j'ai enseigné. La criminologie est enseignée pendant 4 années, bien sûr, mais à l'intérieur du département de sociologie. Et il y a presque 40 matières criminologiques qui sont enseignées pendant ces 4 années. C'est presque comme si c'était un département à part. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis longtemps, le Sénat de l'université a demandé au ministre de l'Éducation nationale de créer un département. Enfin, c'est-à-dire que la section de criminologie qui existe, c'est une section séparée quand même à l'intérieur de une direction de criminologie à l'intérieur du département de sociologie, que cette section se développe en département par la suite. Mais pour le moment, ça n'a pas abouti, parce qu'il y a d'autres intérêts, tu sais, entre l'université, il y a toute une histoire. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas une institutionnalisation des criminologues. De quelqu'un qui est criminologue, s'il n'a pas terminé à l'étranger ses études, ou s'il n'a pas fait des études post de troisième cycle. Nous avons, bien sûr, depuis 1984, il y avait toujours des études troisième cycle, mais en sciences criminelles. Donc, la criminologie était là-dedans aussi, mais ce n'était pas séparé. Depuis 1984 et jusqu'à maintenant, à Pandion, nous avons la seule institution de troisième cycle, on appelle de A en criminologie. Nous l'avons créé avec Madame Maran, en plus, qui a connu aussi Marcel. Et ça dure jusqu'à maintenant. Ces études de troisième cycle durent 2 ans, 4 semestres. Il y a 9 matières qui sont enseignées. Dans chaque matière, les étudiants, d'abord, pour la sélection, nous avons une sélection assez sévère, disons, parce qu'ils viennent pas seulement de Pandion, mais des facultés de droit, les étudiants de troisième cycle, d'autres endroits, même de l'étranger. J'ai eu une étudiante de la Colombie, par exemple, qui a fait même son doctorat. Le 4e semestre est dédié à la préparation, la soutenance d'une thèse. Doctorat en criminologie existait toujours quand même. Mais il ne s'appelait pas doctorat, les docteurs, pas docteur en criminologie, mais docteur en droit ou docteur en sociologie ou docteur en psychologie. Leur sujet criminologique. Ça, c'était toujours, et ça existe toujours dans les autres universités qui n'ont pas créé de voir en criminologie séparé. Les programmes des cours en premier semestre, c'est la méthodologie de la recherche en criminologie. Nouvelles technologies, la criminalité contemporaine, la réaction à son égard, la criminologie, une introduction générale. Au 2e semestre, c'est vie et criminalité, sentiment d'insécurité et punitivité, internationalisation de la politique criminelle des droits de l'homme, prévention du crime et réinsertion sociale des sortants de prison. 3e semestre, question épistémologique de la criminologie, crime organisé, criminalité économique, le rôle de la victime en justice, approche historique et moderne. Et au 4e semestre, comme je dis, c'est la présentation en soutenance d'une thèse. Je ne vous lis pas les matières enseignées en premier degré pour la licence, mais c'est la licence en sociologie avec direction criminologie. Parce qu'il y a une quarantaine, il y a un assez large éventail on n'est pas à la faculté de l'école de criminologie de Montréal, mais c'est quand même assez. Une université qui est l'université des sciences sociales et politiques. Mais c'est quand même, d'après ce que disait dans ces petits livres qu'avait sorti l'UNESCO en 1956, je vous rappelle qu'en 1956, l'UNESCO avait sorti 8 volumes, un pour chacune des sciences sociales. Un de ces livres était dédié à la criminologie. Dans le rapport que la Société internationale de criminologie avait fait, c'est-à-dire Pinatel,
auquel ils ont donné l'ordre de préparer quelque chose, avait dit que, enfin, c'est très bien que la criminologie soit étudiée, que les recherches se font à l'intérieur de n'importe quelle institution, mais que leur milieu naturel pour la recherche et l'enseignement sont ou bien des instituts indépendants, ou bien des départements, mais à l'intérieur de l'université de sciences sociales et politiques. Et c'est la raison pour laquelle, 4 années plus tard, comme vous savez, Denis Abbot a créé l'école de criminologie à l'intérieur de l'école des arts, la faculté of arts, et pas la faculté de droit ou je sais pas où, la faculté de médecine en Italie, vous savez. Ça dépend des traditions. Mais la tradition grecque a bien collé avec ça. Disons. Parce que je vous ai envoyé un article que j'avais écrit à la revue suisse en 1993 sur les idées, les réactions des anciens Grecs en ce qui concerne le problème criminel et qui n'ont pas dit grand chose parce qu'ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Mais il suffit de lire Platon, Aristote, Thucydide. Ce qui a fait d'ailleurs Adolf Menzel, un grand enseignant, professeur avant la guerre à l'université de Vienne, il a sorti un gros livre ayant comme titre la sociologie grecque, grecque et sociologie. Si vous ouvrez ce livre, dont le plan est le plan d'un traité moderne de sociologie, toutes les notes que vous voyez sont des notes à Platon, Aristote et Thucydide. Et quand Denis Abbot, qui avait à l'époque, il était une espèce de directeur de la revue internationale de criminologie, technique et scientifique. Oui, ça vaut la peine. Si quelqu'un se doutait encore qu'il y avait du nouveau sous le soleil, le lecteur du texte de Jacques Varsédakis le détrompera. Promptement. Tous les dilemmes de la politique criminelle et de la criminologie moderne se retrouvent dans les débats qui déroulaient sur le forum d'Athènes. Et ça continue comme ça. Et pour terminer, je vous lis encore un passage de la thèse de Maurice Jodelet, c'était déjà dans les années 20, sa thèse à Paris. Avec compté de la conception de la peine chez Platon, il n'est pas une idée de criminaliste actuel. Il ne s'y trouve non seulement en germe, mais avec une perfection qui suffit de transposer en l'adaptant aux circonstances pour lui donner une moderne apparence. Alors, moi, j'ai travaillé là-dedans sans avoir cette idée, parce que je suis allé à Strasbourg pour suivre. Jacques Léauté. Mais comme j'avais l'habitude, j'ai encore l'habitude pendant les fêtes de Noël et de Pâques de lire, lire que la littérature, disons. Et je suis allé à la librairie Kléber à Strasbourg et j'ai vu une nouvelle édition de l'Orestia d'Eschyle en français. Je l'ai pris. Il avait une édition de poche, disons, je me rappelle, c'est le Flammarion, quoi. Et il avait une espèce d'introduction, ça m'a... À l'époque, je préparais un petit paper pour un des ES que j'avais fait sur le sursis avec mise à l'épreuve. Eh bien, j'ai vu ça dans l'Orestia. Et depuis, j'ai commencé, ça m'a pris... 10 ans de mon existence, et même dans les hautes études européennes, de mémoire, c'est-à-dire. Le premier, c'était l'Antiquité grecque et le problème criminel, un mémoire de 252 pages. Et en fait, c'était presque une thèse, parce qu'il avait là de tout, pas seulement, disons, les idées, mais il avait ce que les lois prévoyaient. Et aussi la procédure. Ça ne diffère presque en rien. Ce qui différait, c'était l'organisation des tribunaux. Parce que les tribunaux n'étaient pas organisés.
analysé comme aujourd'hui par des juges professionnels, mais c'était tout le peuple qui participait. Il y avait, bien sûr, 5000 juges et 1000 suppléants à des cours de 1600 personnes. La vraie démocratie, d'après Aristote, c'est celle où le citoyen participe lui-même, sans représentation, lui-même, au pouvoir, aux trois différentes formes. L'exécutif, législatif et judiciaire. Et c'est le peuple, lors de l'Assemblée du peuple, avait le droit, chacun avait présenté une loi, une nouvelle loi. Et si elle votait, ça devenait une. La poule organisait ce qu'on appelait les synagogues, ceux qui soutenaient que l'ancienne loi qui devait être abrogée était meilleure. Mais si quand même celui qui proposait la loi a eu gain de cause, et donc la nouvelle loi, en abrogeant l'ancienne, en abrogeant tout à fait, hein, pas comme aujourd'hui. Mais ça avait un risque quand même. Parce que par la suite, si cette loi, lors de son application, se démontrait qu'au lieu d'améliorer les choses, ça apportait, ça créait des problèmes. Celui qui avait proposé la loi, malgré que la loi était votée par le peuple, était passible même de la peine de mort en quelques cas. Donc, le changement de législation était plus difficile de la simple loi que les changements de texte constitutionnel d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les lois sont restées pendant longtemps les mêmes. Après, par exemple, grande réforme de Dracon d'abord, et ensuite de Solon, qui avait, entre autres, institué la responsabilité personnelle, parce que dans le temps, la responsabilité était toute la famille de l'auteur. Et il avait, bon, vous savez, dans toutes les sociétés. Et c'était un grand pas en avant. Le fait que depuis, selon nous avons la responsabilité personnelle. Et par la suite, bien sûr, il y avait tout un travail fait, surtout par Aristote, pour l'imputabilité, pour toutes sortes de. On est revenu au débat entre les tenants de l'école italienne. Et l'école classique en ce qui concerne l'existence ou la non-existence de la liberté de volonté. Après les thèses de Fonlis à Marbourg, et ensuite, bien sûr, les autres, ceux qu'on a appelés par la suite école moyenne. On l'a appelé aussi tierce école, mais il ne faut pas confondre avec la tête à ce là de l'Italie. Et il y avait une espèce de compromis entre les deux. Et ils ont dit que, parce que les Italiens disaient que ça n'existait pas, la volonté. Théoriquement, ça, c'était l'ombreuse qu'il avait trouvé en examinant, etc. Mais Bulferetti, pendant en 1976, lors des fêtes qu'on avait fait pour les 100 ans de l'homme criminel, un historien italien avait dans son livre, César Lombroso, grand livre, nous a révélé que Lombroso, 20 ans avant d'avoir examiné n'importe quel clinicien, avait déjà soutenu que ça n'existait pas. Et Lombroso n'avait pas, disons, l'honnêteté intellectuelle qu'avait Manouvrier. D'ailleurs, on a oublié, jusqu'en 1960, jusqu'à presque, c'est-à-dire le mémoire de Manouvrier de 1992 était tout à fait oublié, jusqu'en 1976, on l'avait découvert en même temps, presque, mais avec une lecture différente de ce qu'il disait, d'un côté Pinatel, de l'autre côté Philippe Robert. Et si on avait suivi les remarques méthodologiques, surtout, de Manouvrier,
la criminologie aurait marché beaucoup plus sans perdre beaucoup de temps à des choses tout à fait inutiles par la suite. Enfin, mais bon, on ne va pas continuer dans ce sens parce que là, on pourra discuter pendant des heures. C'est normal d'ailleurs, parce que même lors de l'époque romaine, bien sûr, ce qui n'existait pas pendant l'époque romaine, surtout après la fin de la démocratie romaine, ce qui, disons, le milieu intellectuel et le milieu politique et social et économique n'était pas prompt à faire fonctionner la recherche et l'organisation de la société, parce que ça n'existait pas tout simplement la démocratie. Ça, on l'avait vu aussi dans les temps modernes, parce que la criminologie, comme d'autres sciences sociales, ont besoin comme d'un oxygène que c'est seulement la démocratie qui donne, qui permet, c'est-à-dire le libre-échange début de la recherche. Et c'est comme ça que tu as avancé. Dans des sociétés où n'existe pas la démocratie, les mathématiques peuvent progresser, la physique, etc., même la technologie, mais les sciences sociales ne peuvent pas avancer, malheureusement, parce que on l'avait vu en Union soviétique. Si on regarde un peu dans les annales de l'anthropologie criminelle, tard de la Kassak et d'Alpha jusqu'à la Première Guerre mondiale, on voit jusqu'en 1917, la représentation de criminologues russes était très importante dans tous les congrès. Et depuis, c'est terminé. À peu près la même chose, on l'avait vu en Espagne et en Portugal. Du moindre mesure, bien sûr, mais on l'avait vu. Je me rappelle en 1978. Quand on m'avait élu secrétaire du Congrès de Lisbonne, on cherchait quelques criminologues espagnols et portugais pour remplir les différentes tables rondes, etc. Et on ne trouvait pas, on ne trouvait personne. Parce qu'il y avait derrière quelques dizaines d'années de dictature, et ça, c'est. Il avait du droit pénal, bien sûr, hein, parce que mais ça existe même en abondance pendant cette période-là. Et nous avons depuis, quand la démocratie est revenue dans ces pays, comment nous avons maintenant même des écoles de criminologie, etc. Hein, département, nous étions ensemble à Porto. Tu vois là un lien un peu comme Popper, hein, comme Karl Popper, qui voyait ces liens entre démocratie et science directe. Oui, lui, il a fait un peu plus, un pas en avance, un peu plus, en caractérisant, par exemple, dans la catégorie des sociétés qui étaient fermées, il a mis aussi Platon, etc. Mais c'est inouï, parce que quand on ne sait pas de quoi on parle, on peut dire tout ce qu'on peut. Mais Platon a créé une académie qui a duré mille ans. Donc, de là sont sorties vraiment des choses, pas seulement en philosophie et dans les sciences sociales, mais aussi même en mathématiques, etc. Donc, mais il est vrai que ce que j'ai dit tout à l'heure, sans avoir un milieu propice qui permet l'échange libre d'idées, alors ça c'est le moyen de vraiment de faire avancer la science. Sinon, parce que qui est le détenteur de la vérité? Personne. Si on croit à Dieu, c'est Dieu. Mais pour les hommes, la connaissance avance surtout d'une façon négative, en dénonçant les erreurs du passé. En fait, nous, les chercheurs, nous trouvons dans une espèce de labyrinthe. Et quand vous êtes dans un labyrinthe et vous cherchez la sortie, qu'est-ce que vous faites d'après vos constitutions, d'après ce que vous connaissez, de tout ça? Vous supposez que si vous entrez dans ce corridor, ça va vous faire sortir. Et ça ne va pas sortir. À vous retourner. Et vous faites une autre hypothèse. Mais avant de faire cette nouvelle hypothèse, la déontologie scientifique
vous oblige de mettre une petite enseigne devant le corridor que vous avez exploré pour dire aux autres, qui tous sont aussi cherchent dans ce labyrinthe, de ne pas entrer parce que vous perdez beaucoup de temps. Ça veut dire que, bien sûr, nous ne sommes pas arrivés, et je ne sais pas quand nous pouvons arriver à sortir, de trouver donc la vérité, ce que cherchons, la réponse à nos questions. Mais on voit qu'on sait quand même beaucoup de choses, malgré cela, malgré que nous ne sommes pas encore sortis. Nous savons, par exemple, que ça et l'autre ne sont plus valables. Donc, on cherche ailleurs. Et c'est comme ça, la science avance comme ça. Mais même avec des grands programmes, des choses comme ça qu'on cherche, on voit qu'il y a quelque chose, Socrate l'avait très bien dit. Je sais une chose, que je ne connais rien. Parce que chaque fois que tu crois, que tu... alors tu vois autre chose. Prenons un exemple, qui n'est pas vraiment directement la criminologie, mais dans ces temps-là, de nouveau, la biologie criminologique avance, parce que la recherche avance. Pendant, je crois, 15 ans, des équipes aux États-Unis, au Japon, en Europe, un peu partout, cherchaient toute cette histoire avec le DNA. Et finalement, ce sont les Américains qui ont fait la cartographie, disons, du génome humain. Travail grandiose, bien sûr. Et il y a maintenant 4 ans, un professeur américain, Columbia, avec son équipe, a trouvé que derrière ce système, cette hélice, etc., existe un autre système qui contrôle ce système. Alors, pendant 15 ans, ils travaillaient, ils ont fait tout ça, et ils n'ont pas pu voir qu'il y avait autre chose encore. Et je ne sais pas ce qu'on va trouver encore. Parce qu'on voit aussi quelques-uns qui prennent l'air d'une autorité, disons, scientifique, ils connaissent tout, enfin, ils expliquent tout. Malheureusement, ça, c'est pas le cas. Mais il faut être assez prudent, assez réticent, et être prêt à avoir une attitude telle de changer votre opinion si vous êtes persuadé que celui qui est en face de vous, qui raconte autre chose, a raison. Donc, pas de rester immuable, de ne pas tenir compte des autres avis et des autres. Parce que personne n'est par je répète, détenteur de la vérité. Si vous êtes détenteur de la vérité, c'est terminé la science. Et puis qu'est-ce que vous cherchez alors? Par excellence, la science est un processus pour découvrir la vérité. Vous l'avez découvert, ce n'est pas la peine de chercher alors. Terminé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Très bien, non, c'est très intéressant. Juste pour clore le volet enseignement et passer ensuite à la recherche. Donc, il y a toutes ces chaires et tous ces enseignements en criminologie. Ma question, c'est, ou la question que nous avions déjà prévue avec Liven, c'est qui fait ces enseignements? Qui s'occupe? Quelle formation ont les professeurs? Parce que beaucoup de criminologues grecs que nous rencontrons dans les congrès, c'est des criminologues grecs qui enseignent à l'étranger, qui sont établis, notamment en Angleterre, il y a plusieurs criminologues grecs complètement établis aussi, en dehors de personnes que nous connaissons de la Grèce même. Il n'existe pas de licence criminologique dans plusieurs pays d'ailleurs. Ouais. Les criminologues sont formés d'abord comme juristes, comme sociologues, comme psychologues, etc. En troisième cycle, et par la suite, disons, se spécialise, entre beaucoup de guillemets, en criminologie. La criminologie est une science assez synthétique. Quelqu'un l'avait écrit comme une espèce de delta, des petits de ruisseaux là, qui viennent de plusieurs endroits, parce que le crime a existé depuis toujours, hein. Malheureusement. Et donc, l'histoire humaine est très ancienne. Et l'histoire humaine est beaucoup plus ancienne que ce qu'on croit d'habitude. Qu'est-ce que nous connaissons en réalité, même des archéologues? Nous connaissons, maximum les derniers 10 à 15 000 ans. Tandis que le Homo sapiens, sapiens comme nous, a une histoire de du moins 2 à 300 000 ans. Parfois, on trouve quelque chose, les archéologues, et
tout le monde après est surpris. Les spécialistes du monde, ils sont vraiment stupéfiés de ce que peut faire ce petit véhicule, que c'est un ordinateur mécanique. Parce que en même temps, avec juste un petit truc là qu'on tournait, 13 systèmes de comme les horloges, enfin, mais chacun montrait, par exemple, ce que faisait Cronos, ou ce que faisait Aphrodite, ou ce que faisait Hermès, ou ce que faisait Arès. Et ils se sont dit, comment ça se fait? Ils connaissaient ça. Mais parce qu'il y a une connaissance très ancienne que nous ne connaissons pas. Platon, pour revenir à lui, il avait une théorie. Il disait que le monde humain arrive à un certain moment de l'avancement des sciences, etc. Après, ou bien, on ne sait pas les raisons, mais il y a une destruction. Ce sera à cause du climat, ce sera à cause des guerres atomiques, je ne sais pas quoi. On recycle, c'est ça ce qu'il a dit, un recyclage de civilisation. On revient, comme c'est le mythe de Sisyphe, on revient déjà pas au zéro vraiment, parce qu'il y a toujours quelques-uns qui survivent, surtout, sont d'habitude les clans des prêtres, des anciens temples, etc., qui peut-être détiennent une partie de la vérité, donc on ne commence pas par le zéro toujours. Mais c'est ça. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, là, on dit que Pythagore écoutait la musique des planètes. Et on est encore très loin de comprendre vraiment là où nous sommes, où nous allons et qu'est-ce que nous cherchons en fait. Et c'est pour cela qu'il faut toujours être assez de ne pas trop tenter des triomphes de la science. Il faut être vraiment assez. Ok, très bien. Et si on passe un peu maintenant à la question des recherches en criminologie, quels sont les principaux types de recherches? J'ai l'impression que beaucoup de choses ne sont pas publiées en anglais ou en français. Actuellement, bon, c'est notamment l'anglais qui est devenu... Il y a un problème avec l'anglais. Je l'avais rencontré quand on avait formé un consortium euro-américain en l'an 2000. Trois universités américaines et trois universités européennes. Point 2A, en criminologie, qui avait comme titre mondialisation, la globalisation du crime, la réponse de la justice. Du côté américain, c'était l'American University de Washington, Florida State University et Sam Houston University, partie du Texas University. Et du côté européen, c'était la Barcelone, Bologne et Panthéon. Ça, c'était pour les Européens, c'était subventionné. Et ça a duré 3 ans par la Commission européenne et pour les Américains, c'était par FISPES, une organisation là, qui finance ce genre de choses. Et nous avons, quand nous sommes réunis pour préparer le curriculum commun, parce qu'il y avait un enseignement commun, le premier semestre, les Américains, les étudiants américains suivaient les cours à leur université, et les Européens également à leur université. Et lors du second semestre, il y avait l'échange. Les Américains venaient en Europe et les Européens allaient aux États-Unis. Nous avons choisi, bien sûr, la lingua franca qui existe maintenant pour l'enseignement, l'anglais. Et quand nous sommes réunis pour préparer les matières à être enseignées ensemble, nous avons remarqué que nos amis les Américains ne connaissaient absolument rien de ce qui se passe en Europe continentale. Rien. Même les noms, les grands noms, par exemple de la Belgique de Beuys. Ça arrive. Quand la lingua franca de l'époque des diadoques d'Alexandre le Grand était le grec, tout le monde,
croyait que ça c'est suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Dans le monde anglo-saxon, pendant l'entre-deux-guerres, il y avait un afflux de gens bien lettrés de l'Europe, c'était des juifs ou non, mais qui fuyaient le nazisme. Ils sont allés, Karl Mannheim, Thorsten Schelling, Sergiu Radjinovic, et eux, ils ont transporté pas mal de connaissances de tout ce qui se passait, parce que la criminologie, en fait, c'est une question européenne. Maintenant, ça se fait partout, et les bases sont là. Donc, si vous ne connaissez pas même les noms, bien que quelques-uns étaient traduits en anglais, les gens n'ont pas vu. Donc, il y a un problème. Ce qui m'a poussé à écrire en anglais un volume commémoratif d'Alice Marangopoulos, un article en anglais où, dans des sous-notes, bon, je ne voulais pas les... Mais j'ai mentionné quand même que c'est dommage que ça n'existe pas. Cette connaissance, c'est-à-dire que cet échange, tous les Grecs, à cause du fait que la langue grecque maintenant n'est parlée que par les Grecs, ou quelques-uns qui bon, font des études littéraires ou de l'archéologie, etc. Nous sommes obligés d'aller à l'étranger voilà, et d'apprendre des langues étrangères. Et ça nous fait du bien, bien sûr, parce que nous avons, on ne peut pas apprendre toutes les langues du monde, mais du moins l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol maintenant, quelques-uns, l'espagnol c'est quand même quelque chose, la langue espagnole. Donc, nous pouvons avoir une idée. Qu'est-ce que nous pouvons... Qui peut dire qu'il connaît tout ce qui se passe dans le monde de la criminologie mondialement? Dans le temps, je me rappelle, nous avions 1100 revues criminologiques bon, du Japon, bien sûr, jusqu'aux États-Unis. Mais même si vous les avez... Seulement, comme vous savez, c'est l'Institut de Fribourg, Max Planck, vous pouvez le trouver. Mais même si vous les avez, vous n'avez pas le temps de regarder même les titres, pas de lire et de voir vraiment qu'est-ce que ça pèse. Donc, si on connaît l'auteur de cet article, on a déjà une idée. Mais si on ne le connaît pas, il faut le lire. Et combien de temps nous perdons en lisant des choses inutiles? C'est un grand problème maintenant, surtout pour nos étudiants, parce que nous avons développé certaines méthodes de lecture, mais les étudiants n'ont pas cette possibilité. Et c'est ça, c'est là notre obligation pour bien consulter de ce qu'il faut voir, de ce qu'il ne faut pas voir, pour ne pas perdre du temps. Surtout à nos étudiants en troisième cycle, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils viennent de tous les horizons. Après une sélection très sévère, 15 personnes seulement chaque année. 300 sont les gens qui viennent passer 3 examens par écrit pour être sélectionnés les 15 premiers. Donc c'est dommage de voir des jeunes gens qui ont beaucoup de possibilité de faire avancer avec des idées fraîches, etc. Et de ne pas les canaliser un peu comme il faut. Donc la recherche se fait d'abord, on peut dire que dans toutes les universités, chez nous d'ailleurs, il n'y a que des universités d'État, il n'y a pas d'université privée. Le programme d'études, le programme de recherche, se fait, bien sûr, indépendamment, disons, par les départements ou par l'université. Mais toutes les universités dépendent, en fait, du ministère de l'Éducation nationale. Chaque année, nous avons le droit de changer, d'améliorer, de faire sortir des matières d'enseignement, de faire entrer d'autres. Mais ça, c'est sous le contrôle du ministère. Bon, si le temps passe, vous les soumettez là, sur le temps passe, c'est terminé, vous pouvez avancer.
c'est-à-dire c'est, le ministère ne fait pas son travail, ça nous est égal. Mais pour la recherche, chaque enseignant, avec son salaire, a une certaine somme d'argent qui dépend de son salaire, c'est-à-dire il y a plus pour le professeur ordinaire et moins pour le simple lecteur. Mais tous ont chacun une certaine somme d'argent, qu'on appelle somme d'argent pour la recherche. Il le prend même s'il ne fait pas de recherche, mais il l'a. D'habitude, ils le font, surtout les plus jeunes, parce qu'il faut qu'ils avancent chacun pour avancer, de devenir de lecteur, devenir après professeur assistant, de professeur associé, etc. Il faut faire de la recherche. D'abord, il y a une recherche qui est faite par les doctorants, mais il y a des recherches qu'on fait aussi individuellement, disons, ou avec le volontaire, surtout l'étudiant volontaire et les enseignants. Il y a bien sûr quelques centres de recherche, il y a des laboratoires de recherche aussi, petits également, mais qui ont une certaine, arrivent à avoir une certaine, un certain financement, bien de l'université directement, ou bien du ministère, ou bien s'ils arrivent par des programmes de l'Union européenne, etc. Ou par des entreprises, par exemple, une entreprise de voitures qui finance une recherche sur les accidents de la route, et des trucs comme ça. Mais il y a aussi les grands centres de recherche de l'Académie d'Athènes, qui ne sont pas de criminologie, mais ils ont quelques branches parfois, surtout en droit, en histoire du droit pénal. Il y a ce qui est le centre unique pour la criminologie grec énorme, le centre hellénique de recherche sociale. Il y a une direction et une partie qui ne fait que la recherche criminologique depuis longtemps. Depuis le règle était collègue qui avait créé cette section à l'intérieur de ce centre. Et depuis, ils ont fait d'une certaine, pas d'une grande envergure, mais quand même pour de la reste de la Grèce, il faut régulièrement des recherches criminologiques. La plupart sont publiées bien sûr en grec, mais parfois ils les présentent dans des congrès de la société européenne, je ne sais pas quoi, société internationale ou des centres, par exemple, centres de recherche pour des problèmes d'égalité entre les sexes, qui de temps à autre nous fait quelques recherches. On m'a demandé de diriger une recherche, par exemple, il y a quelques années. Et la première recherche épidémiologique est concernant la violence contre les femmes. C'est une importante recherche qui a duré 2 ans. J'avais présenté quelque chose à, je sais pas, tu étais à Istanbul, là, à Galatasaray ou non? Un colloque de la ICLF, les résultats de cette recherche. Mais bon, le livre est quand même assez important, qui est le rapport en fait de cette recherche. Mais ça, c'était à part, disons, ça peut arriver ou non. Le seul qui vraiment ne fait que ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La section de criminologique à l'intérieur du centre hellénique de recherche sociale, très important centre. Il y a toujours, bien sûr, en partie, mais il existe aussi des chercheurs, à l'intérieur de ce qu'on appelle fondation hellénique de recherche. Les recherches en criminologie sont connues, ils ne sont pas vraiment très grandes recherches. Surtout là, ça s'occupait avec les technologies modernes, les sciences exactes. C'est une création de la reine Frédérique qui aimait beaucoup cette espèce de recherche. Mais il y a quand même quelques recherches qui se font. C'est ça, en gros, disons, ce qu'on peut dire pour la recherche
la criminologie convexe en Grèce. En somme, il manque des financements réguliers, pour qu'on puisse vraiment planifier. En général, c'est nous qui proposons, c'est pas. Sauf si c'est de quelque chose, comme je dis, de l'Union européenne. Sinon, c'est celui qui veut faire la recherche qui présente ou bien l'université, ou ici et là, etc. Oui. Beaucoup aussi des petites recherches qui se font, par exemple, à l'intérieur de laboratoires, comme celui que fait Christine, que tu connais, pour la peur du crime, pour la sécurité, etc. Avec l'aide des étudiants, quelques-uns prennent une somme d'argent, d'autres ne prennent rien, parce qu'il n'y en a pas. Très bien. Juste pour Christina Salafonito, pour qu'on sache de qui on est en train de parler. Et donc, c'est très bien. Il y a aussi une question qui nous semble intéressante, c'est l'influence de la criminologie sur la politique criminelle. Si elle existe vraiment, je ne sais pas si c'est le cas. On ne peut pas dire que ça n'existe pas du tout. Elle est minime. Il y a une certaine influence indirecte. C'est-à-dire, les criminologues, surtout les professeurs et les chercheurs, mais surtout les professeurs, font partie des commissions de réforme de droit à l'intérieur du ministère de la Justice. Et donc, à travers ce moyen, disons, ils arrivent à faire passer quelques, si on peut dire, quelques thèses, quelque chose. Mais ce n'est pas que l'État a comme conseiller officiel les criminologues, etc. Non. Depuis longtemps, nous avons demandé de créer un institut de politique criminelle indépendant, mais ça n'existe pas pour le moment. Et indirectement, nous influençons, mais via notre participation à des réformes. Par exemple, j'ai fait ça n'a pas marché parce qu'ils ont fait autre chose, mais dans le Ferrier, ils m'ont demandé, et je l'avais fait, un projet de loi pour la violence contre les femmes, pour la violence intrafamiliale. Et parce que j'étais dans trois commissions différentes, à la dernière, j'étais même président de la commission. Je l'ai fait, et puis très bien, parce qu'il faut quand même qu'il y a plusieurs ministères, ministres qui doivent signer avant que ça aille au Parlement. Tous ont bien signé, sauf le ministre de Finances, parce que lui, il a regardé qu'il fallait déposer de l'argent pour faire ce mécanisme de prévention, parce que la prévention est quand même notre vraie bataille que nous donnons. Nous avons même, disons, une école de criminologie grecque basée surtout à Pandion qui sont vraiment pour tout ce qu'il faut pour faire avancer la prévention du crime, même la prévention sociale. Bon, il y a toujours la prévention technique et tout ça, des circonstances et des situations, mais ça ne fait pas résoudre le problème, après je le déplace vers des zones moins favorisées. Une prévention suppose aussi une éducation. Quand on disait que le crime est le fait de gens qui, ou bien ils ont une maladie mentale, ou bien ils sont mal éduqués. L'éducation, c'est la raison pour laquelle, dans une certaine période, la cité d'Athènes payait les gens qui allaient au théâtre pour suivre les tragédies. Parce qu'ils considèrent que le drame était un moyen d'éducation. Et au lieu de payer des quais comme aujourd'hui pour suivre des représentations, eux, ils étaient payés pour aller. Et l'éducation, c'est quelque chose. Parce que l'homme est un animal, comme les autres animaux. Sauf que seul a la possibilité, par l'éducation et l'enseignement, par la socialisation, de devenir un homme. Les autres animaux, tu peux leur faire ce que tu veux. Ne pourront jamais devenir. Je n'entre pas maintenant, on disait, les différents Chomsky ou Piaget, etc. Mais notre peuple a aussi quelques phrases. On devient homme par la socialisation. Et là, c'est l'éducation qui joue. Plus tu adhères à des valeurs humaines, moins tu es disponible d'outrepasser la règle. Parce que qu'est-ce que c'est le crime, en fait? C'est une espèce de, comment on appelle ce,
ce jeu où il y a un cordon et il y a des gens qui tirent d'un côté et des autres qui tirent de l'autre. Il y a les facteurs qui poussent vers la délinquance et il y a des facteurs qui retiennent. Donc, et ça dépend quels facteurs sont les plus forts. Tous dans des sociétés un peu criminogènes. Et à cause de ce que nous avons adopté comme principe de vie et comme valeur qui nous gouverne, nous pouvons retenir nos pulsions. Nous avons des pulsions comme les autres animaux. Les animaux ont la même chose que nous. Ils violent, ils volent, ils tuent. Ici et maintenant, les hommes ont la possibilité, en ayant développé d'autres facultés, de se retenir de ces pulsions. Mais la psychanalyse, des choses comme ça, ce n'est pas maintenant notre temps. Mais en fait, c'est que si vous lisez le rapport fameux d'un grand écrivain grec, Nikos Kazantzakis, qui est traduit dans toutes les langues, un rapport de vie, disons, se rappelle du jour où son père l'avait pris par la main et l'a amené à l'école. On est retourné à l'école en disant au maître, je te l'ai apporté pour le faire homme. Platon, dans ses lois. Les lois de Platon sont, comme vous savez, le dernier de ses œuvres qui a écrit à une époque avancée. Parce que ses premières œuvres, comme par exemple la cité, la politique, étaient influencées par le fait que la démocratie, avec son fonctionnement, avait décidé de tuer son maître Socrate. Il était un peu amer. Dans ses lois, à la fin, il était prévoyé de punir le citoyen athénien infracteur d'une infraction plus sévèrement que l'esclave qui faisait la même chose. Il l'avait expliqué. Pour l'esclave, on n'a fait rien. Mais pour le citoyen athénien que l'État avait dépensé pas mal pour le faire, comme disait Kalos Kagathos, c'est-à-dire pour faire un bon citoyen, nous avons le droit d'attendre de lui un comportement comme on l'a enseigné. Et là, on a toutes ces conceptions de la peine, des buts de la peine et tout ça, que nous trouvons aujourd'hui. Oui, je pense que ouais, lorsque nous disons qu'il faut davantage d'éducation, il y a un risque de trop généraliser, parce que c'est quelque chose qu'on dit depuis quelques siècles maintenant. Hein. Ouais, tu viens de nous démontrer que ça, en fait, ça fait des millénaires. Mais moi, en réfléchissant beaucoup sur ça, je me suis dit que, et en voyant la manière dont les gens discutent de nos jours, hein, je me suis dit que peut-être la solution se trouve dans l'enseignement, je dirais obligatoire, de l'art d'argumenter, de l'art de, bon, maintenant on l'appelle rhétorique, mais je ne suis pas sûr que ce soit, mais la dialectique, la méthode de Socrate, la manière d'échanger, le fait de savoir les sophismes qui se cachent, j'ai l'impression que c'est un art qui s'est perdu. Et souvent, je pense que les politiciens n'aident pas parce qu'historiquement, dans les vieilles villes, c'était en écoutant les politiciens qu'on apprenait à discuter peut-être. Et en Grèce, c'est au moins à l'école de Socrate. Mais actuellement, il y a une sorte de dégradation qu'on voit aussi, nettement, même aussi la qualité de travaux parfois scientifiques durant la formation des étudiants, c'est quand même un art difficile à transmettre parce qu'ils ne l'ont pas appris avant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qu'il faudrait enseigner, à ton avis. Il y a une nette dégradation dans l'éducation au niveau international. À tous les niveaux, d'ailleurs, de primaire, du secondaire et de l'université. Je me rappelle, enfin, c'est peut-être un peu d'exagération, mais je vais te dire une petite histoire. À l'époque où on avait terminé le lycée, pour aller à l'université, chez nous, c'était pas, on ne passait pas comme aujourd'hui un concours panhellénique, disons, mais chaque faculté faisait ses propres examens. Je disais, par exemple, la faculté de droit d'Athènes, je vais prendre 400 étudiants. Et la faculté préparait les examens de concours. Il y avait 4 matières, on me rappelle, c'était la composition, disons, l'ancien grec, le latin et l'histoire. Chacun qui voulait se présenter allait là.
Il avait dans le temps, dans les 3000 qui voulaient faire des études de droit, et il y avait 400. En même temps, il avait la faculté de lettres qui avait comme matière d'examen aussi de, dans le concours les mêmes 4. Et moi, je me suis présenté, aux deux. Et j'ai réussi aux deux, mais la faculté des lettres, 10 jours plus tôt, ils ont fait sortir les résultats. Et pendant 10 jours, jusqu'à ce que le droit ait fait sortir les siens, et je suivais des cours à la faculté de lettres. J'ai opté pour la faculté de droit pour la simple raison que j'étais troisième du concours et j'avais une bourse. Et à l'époque, on payait. Maintenant, on ne paye rien dans l'université, mais à l'époque, on payait. Et donc, j'ai choisi. Mais comme j'avais, disons, admiré quelques professeurs de lettres, j'ai suivi des cours de ces 7 personnes pendant 4 années. Pendant toute la durée de mes études en droit, je suivais sans passer des examens. Comme j'avais la chance, l'amphi de droit et l'amphi de lettres, d'avoir l'un au-dessus de l'autre, c'était facile de descendre. Parmi eux, il y avait le professeur Jean Theodore Apopoulos, qui était considéré comme le meilleur platonicien, interprète de la pensée de Platon mondialement. Après sa retraite, il avait fondé une école libre à Mystras, près de Sparte, où il donnait des cours libres. De tout le monde venait des spécialistes pour l'écouter. Je peux te dire que quand il entrait dans l'amphi, son cours durait 2 heures. La première, à peu près, demi-heure, il nous regardait un peu comme ça, 300 personnes, debout. Et ensuite, il continuait à enseigner en ayant fermé les yeux. Personne ne bougeait en bas pendant 2 heures. C'était comme, je sais pas, comme un mystagogie, il y avait là, je pense. Alors lui, à l'époque, il était aussi professeur invité à Heidelberg, où pendant les années 20, il a fait son doctorat là. Et il nous disait, en 1960-61, que les universités allemandes d'aujourd'hui sont au niveau des lycées de 1920. Ça se comprend parce que dans le temps, ce n'est pas tout le monde qui faisait des études. Maintenant, il y a presque tout le monde qui fait des études. Ça fait quoi? Ça fait que les universités sont obligées, pour avoir un certain pourcentage entre enseignants et enseignés, faire des professeurs et des gens qui n'ont pas le statut qu'ils avaient avant. Maintenant, dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans, on fait une thèse. Dans le temps, on faisait 20 ans pour faire la thèse. Tous les livres que nous avons considérés comme classiques aujourd'hui sont des thèses de l'époque. Donc, dans tout le monde, il y a un problème. Parce que la quantité est toujours contre la qualité. Il y a toujours un problème. Mais malgré cela, il y a maintenant des enseignants, il y a des étudiants excellents. Parce que la science a avancé depuis. Malheureusement, la moyenne, parce qu'il faut parler de la moyenne. Et c'est la moyenne qui crée tous les problèmes que nous avons maintenant. Et c'est pas seulement à l'université, c'est aussi à secondaire, etc. Si celui qui sort d'une université est une personne moyenne, ses étudiants par la suite, qu'est-ce qu'ils sont? L'un apporte l'autre. Oui, on voit quand même une sorte de disparition de ces professeurs savants, un peu comme toi, qui ont une culture générale, qui peuvent mettre en relation des choses. Il me semble que c'est un modèle de professeurs qu'on voit de moins en moins, parce qu'il y a une tendance à organiser l'enseignement un peu à l'style des États-Unis. Et donc, c'est des petits travaux pratiques, on saucissonne les cours, on passe un petit examen ici, on fait un petit travail pratique. Il n'y a pas de vue d'ensemble, mais je ne sais pas. Je peux vous dire que je ne connais pas un seul de non étudiant qui est allé en Angleterre, laisse les États-Unis. Là, c'est pire encore. En Angleterre,
et qui ne vient pas avec un papier. Il y a, après que Thatcher avait recoupé les subventions de l'université, c'est devenu une espèce d'usine de fabrication de papier. Tel temps, tel argent, tel papier. Et c'est un problème. C'est Leo Radzinovich. C'est lui qui est venu de la Pologne pour écrire l'histoire du droit pénal anglais. Mais les Anglais n'ont pas fait. À l'université d'Amsterdam, j'avais comme enseignant un professeur émérite de Oxford qui enseignait l'histoire du droit anglais. Comme vous savez, l'introduction à n'importe quel sujet a besoin d'un enseignant qui a quand même une vue d'ensemble extraordinaire et qui peut expliquer à des gens qui ne connaissent absolument rien au début tout ce qu'il faut savoir pour avoir un cadre de référence. Alors lui, quand je lui avais posé la question, pas de cette différence dans l'organisation des tribunaux dans l'Europe continentale et en Angleterre, après une diatribe d'une demi-heure, on sympathisait aussi parce que son père était diplomate anglais à Constantinople et lui, quand il était enfant, il allait à l'école et travaillait avec les Grecs. Vous allez oublier tout ce que je vous ai dit, mais il faut retenir une seule chose. L'Angleterre était occupée en 1066 par les Normands, qui étaient de très bons administrateurs. Et depuis, personne n'avait pu la conquérir. Ça veut dire que toutes ces institutions sont créées à la longue, suivant la psychologie de ces gens. Ils ne sont pas importés d'ailleurs. Et si vous entendez que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas, les États-Unis ont le droit anglo-saxon, non, ce n'est pas vrai. C'est seulement en Angleterre que ça peut marcher. Ailleurs, c'est tout à fait autre chose. On va venir à l'Europe maintenant. Il est vrai que quand on fait une nouvelle législation, on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait en Suisse, qu'est-ce qu'ils ont fait en France, qu'est-ce qu'ils ont fait ici, là, en Allemagne. Surtout chez nous, en Allemagne, parce que nous avons une autre tradition ici. Alors, il y a des influences qui viennent dans chaque pays, bien sûr, différemment. En droit civil, c'est plus ou moins la même chose, bien que l'influence du Code Napoléon, ça a été portant du Code civil. Mais là encore, le gendre, par exemple, de Fongiering était grec. Donc là encore, le hasard fait bien des choses. Et maintenant que nous sommes quand même en Europe, qu'est-ce que c'est l'Europe? Comme disait Albert Camus, regardez le globe. L'Europe n'est qu'une des péninsules de l'Asie. Et avec les phénomènes que nous voyons maintenant, chaque année, nous avons plus de décès que de naissances. Alors, nous avons d'être vraiment solidaires et unis et pouvoir faire avancer la science, parce que la science, malgré tout ce qu'on dit, c'est l'Europe et la civilisation. C'est ce que nous apportons comme survalue, disons, aux hommes humains. Et c'est dommage de ne pas exploiter cette possibilité que nous avons. Même les anciens, l'autre ancien peuple, les Assyriens, les Babyloniens, les Égyptiens, tous faisaient des remarques exceptionnelles afin de. Mais ils n'ont pas inventé la science, parce que la science a besoin de preuves. Et c'est ça le sur-paradigme ou métaparadigme à la suite de l'Europe. Nous avons la possibilité, parce que nous voyons qu'il y a des excellents professeurs en Europe et des excellents étudiants aussi. Et c'est dommage de ne pas vraiment exploiter, c'est un peu fort peut-être, et la possibilité de tous ces gens-là. Au milieu des gens monnaie, rien ne se fait sans l'homme, mais rien ne dure sans les institutions. Ce sont les institutions qui forment les bons citoyens et les bons citoyens qui créent par la suite tout ce qu'il faut. Notre disons, devoir comme enseignants, c'est d'abord de leur, par notre présence et par notre exemple, parce que même si nous ne voulons pas, nous sommes des exemples pour les étudiants. Nous leur montrer la voie à suivre
ils ont la possibilité de faire des choses extraordinaires. Moi, je suis persuadé, parce que je vois nos étudiants qui, malgré les lacunes du système et des choses comme ça, avancent. Je reviens là, parce que la quantité compte la qualité. Il y a tellement de choses. Il y a, comme vous savez, les abstracts qui ont fait un choix pour nous. Et ceux qui font le choix ne sont pas les meilleurs, malheureusement. Donc, ils peuvent laisser de côté quelque chose. C'est dommage. Ouais. Malgré cela, moi, je suis optimiste. La vie continue. Il y a des périodes de stabilité, de stagnation même. Il y a des périodes quand même où on avance. On l'avait vu même dans notre science. Il y avait une période extraordinaire jusqu'à les années 60. Après, il y avait dans toutes les sciences humaines, les sciences sociales. Et puis, il est venu une période de révolution épistémologique. A duré pendant une vingtaine d'années, qui a créé des anti-sciences, si on peut dire ça. Ce qui n'était pas quand même à la fin tout à fait négatif, parce que ça nous a fait réfléchir et corriger pas mal de choses qui n'étaient pas bonnes. Rien n'est mauvais à 100%. Et maintenant, tout le monde a une situation intermédiaire. On va voir comment ça va continuer. Moi, je regarde de loin parce que je voyage plus, parfois en Europe, et plus loin que l'Europe, ça c'est terminé. Mais avec ce système que nous avons là, de pouvoir avoir contact avec des collègues et des amis, sinon ce serait impossible. Et même cette histoire-là qu'on est confiné à la maison a quelques avantages. J'ai commencé à regarder mes archives là et regarder toute cette paperasse. J'ai rempli 16 sacs pour les jeter dans la paperasse. Il fallait regarder un par un les papiers là. Et je n'ai pas terminé encore. J'ai du travail. Voilà. Je crois qu'on a fait les tours. Je ne sais pas, Liven, si tu as quelque chose en particulier. Je pense qu'on a beaucoup pour faire. Oui, mais tout est interconnecté. On ne peut pas. Parce que. Quand on parle, l'esprit va de ailleurs, on n'a pas programmé de parler de cela, mais ça arrive. Moi, je dis que tous les, ce qu'on appelle science, en fait, la science, c'est une seule. C'est la science qui examine le monde qui nous entoure, l'homme qui vit dans ce monde, leur interrelation. C'est comme une chose. 15e, 16e siècle, il n'y avait pas ces branches qui en sont sorties maintenant. Ces branches, c'est comme un arbre qui développe, et puis il sort des branches, des petites branches, jusqu'à on est arrivé à une extrême spécialisation, et là, celui-là, il ne comprend absolument rien. Quand vous voyez qu'un arbre produit des fruits qui sont mauvais, essayez de. Une thérapie de ces fruits, c'est bête. Il faut regarder l'arbre, il faut regarder le sol, ça se trouve, sa racine. C'est pas là qu'il faut commencer. Quand maintenant nous avons toutes ces branches-là, Platon, pour revenir à lui, parce qu'on cesse de rappeler, à côté de l'académie, en haut, là, où il dit sa géomètre, tout ceci, tout. Il n'est pas permis d'y entrer quelqu'un qui ne connaît pas les mathématiques. Et nous avons des problèmes qu'on savons qu'il avait résolus. Et maintenant, il n'arrive pas à le résoudre. Pour ne pas parler d'Aristote, qui était vraiment une encyclopédie. Il avait examiné 158 constitutions différentes dans tout le monde, connues de l'époque, avec ses disciples, bien sûr. Et il avait montré dans ses politiques, démontré, pourquoi la démocratie est le meilleur système. Avec beaucoup de défauts, bien sûr, mais le meilleur système. Pourquoi? Parce qu'il a montré, avec les exemples, les différents régimes qu'avaient ces 158, que la cité dans laquelle les décisions étaient prises librement et avec un échange libre, arrivait à avoir des résultats pour l'ensemble de la cité meilleurs que la vie de quelqu'un ou d'une seule personne. Et il est le premier qui a essayé d'expliquer pourquoi la peine de mort n'est pas utile et ceux qui ont la peine de mort, les sociétés qui ont la peine de mort, n'arrivent pas à résoudre le problème criminel en l'utilisant. Quand tu dis
le fameux discours de Diodote. Tu vois toute la criminologie là-dedans. Merci, merci beaucoup, Jacques. C'était impressionnant, la quantité d'informations. C'est vraiment une grande joie de vous voir. Et je vous souhaite le meilleur dans cette histoire que vous avez lancée. C'est vraiment, je trouve, c'est bien. Merci beaucoup. Hein. Voilà, merci Jacques. Au revoir. Hein. Passez un bon été. Merci pareillement. À toi aussi. Merci. Thank you for following Liven and Marcelo's Criminology Podcast. This podcast is edited by Eduardo Coco from the University of Lausanne. Our theme song is Seagull's Night, Noche de Gaviotas, composed by Gustavo Cantero, arranged by Tato Germano, and played by Tato and Gustavo with the voices of Sasha Conte and Alejandro Turco Gujot. Your host are Liven Pauwels from Ghent University, Belgium, and Marcelo Aevi from the University of Lausanne, Switzerland. Cheers, and see you soon.